Voilà, ils sont tous départ dans quelques instants. Départ du trophée du bicentenaire avec en tête de la course pour l'instant, eh bien, il y a Modern Money. Alors que Captain Freeland est à l'extérieur, va prendre facilement le commandement de cette course avec Modern Money qui insiste pour le garder à l'extérieur. Mais Captain Freeland se rabat à la côte pour prendre une longueur et demie d'avance. 4 à 5 longueurs derrière, nous avons Ice Axe, le nouveau cheval de l'écurie qui met un gant. Puis nous avons Profit Report. À l'intérieur, nous avons Captain. À l'extérieur, eh bien, il y a Royal Challenge. Puis nous avons On and Go, The Cardinal, il y a aussi Akupa, Il Saggiatore, et en dernière position, c'est bien sûr l'autre cheval de l'écurie Henri. Donovan Mansour monte National Play. En tête de la course, Captain Thriller qui contrôle la course. Modern Money essaie de le garder à distance respectable. Captain Thriller, Modern Money en troisième position. Ice Axe en quatrième position à l'extérieur. Eh bien, il y a Profit Report. Puis nous avons Captain. Où est pour l'instant Il Saggiatore? Il est toujours à l'extérieur maintenant, commençant son effort juste dans le sillage de Profit Report. Les chevaux vont tourner dans quelques instants. Captain Thriller toujours en tête avec deux longueurs et demie d'avance. Modern Monet essaie de revenir. Ice Axe fonce à l'extérieur, lui aussi. Il y a aussi Profit Report. Il y a Il Saggiatore, pris maintenant Sandwich. Captain Thriller toujours en tête. Ice Axe à l'extérieur. Il Saggiatore essaie de revenir vers la fin. Il Saggiatore, Ice Axe. Ice Axe, Il Saggiatore. Ice Axe, Il Saggiatore. Ice Axe, Il Saggiatore. Ice Axe, Il Saggiatore. Difficile de dire. Ice Axe, peut-être. Peut-être Ice Axe. Mais attendons la photo finish. Attendons la photo finish parce que Il Saggiatore est revenu sur la fin. On va garder le suspense, on va savoir. Les juges à l'arrivée sont actuellement au four et au moulin pour essayer de voir quel. Voilà, c'est parti pour la GHF Group Mercer's Derby. 1850 mètres à parcourir. Abington pour l'instant est très bien parti, mais Greenkeeper contre. Comme on s'y attendait, va prendre le train à son compte. Greenkeeper devant Abington. Voilà que Eagle Squadron arrive dans la foulée de Abington. Ensuite, en quatrième position, il y a Not Liable. Ice Axe à son extérieur. Ensuite, on retrouve Bayard. On ferme le cortège avec Bastille d'air alors que je veux passer devant nous pour la première fois. Tirant beaucoup, Greenkeeper et Initial Tia sont en tête avec deux longueurs d'avance devant Eagle Squadron. À l'intérieur de Eagle Squadron, nous avons Abington, puis nous avons Not Liable. À son extérieur, c'est Ice Axe qui suit sagement, tout juste derrière lui. Et bien, nous avons Bayard en dernière position, ayant maintenant à peu près 10 à 12 longueurs à refaire. C'est Bassidé. On se dirige vers le tombeau malarctique, 1000 mètres à parcourir avec Greenkeeper qui creuse quelque peu l'écart avec deux longueurs d'avance sur Eagle Squadron qui a trouvé les barres. En troisième position, on retrouve Abington, Not Liable est quatrième. En cinquième position, on retrouve toujours Ice Axe. Ensuite, il y a Bayard qui est rejoint maintenant par Bastilde alors qu'on était à 600 mètres du poteau. En tête de la course, Greenkeeper qui a trois bonnes longueurs d'avance devant Eagle Squadron à son extérieur, Not Liable. Puis Abington en quatrième position, Ice Axe, Bastide s'amène. Et en dernière position, Bayard. On est à 300 mètres du poteau. Greenkeeper a toujours l'avantage. Not Liable est lancé maintenant. Alors que Eagle Squadron également tente de se rapprocher. Abington, Ice Axe, Bastille des Bayard. On tourne en plein lidoir final maintenant. Greenkeeper a toujours l'avantage. On tente d'arriver avec Not Liable. Abington à l'extérieur. Avec Greenkeeper qui a toujours l'avantage. Voilà que Not Liable. Abington, Ice Axe termine de plus en plus fort. Abington a mis le nez devant. Ice Axe à l'extérieur. Ice Axe va s'imposer. Devant Abington et Not Liable. Ice Axe qui s'impose au finish. ...de cette épreuve dans quelques instants. Et c'est parti pour la Supertour Golden Trophy édition 2012. Pour l'instant, bon départ pour Jude Smooth. Abington également est très bien parti et se retrouve à l'extérieur du coursier de l'écurie Gilbert Roussette. Ice Axe a déjà trouvé les barres en troisième position. Quelque peu ardent à l'extérieur, il y a Intercontinental. Ensuite, il y a La Fauchée, Royal Challenge, Il Saggiatore, Senor Versace, Rolly Rock se retrouve en queue du peloton. Déjà deux longueurs et demie d'avance pour Jude Smooth avec Aristitane devant Abington. À son extérieur se trouve Intercontinental. Un peu dans quatrième position, suivant sagement, se trouve Ice Axe. À son extérieur, il y a La Fauchée. Puis à deux, trois longueurs, nous avons Royal Challenge. À deux longueurs de Royal Challenge, Il Saggiatore. Et puis ça, nous avons Le Gris, Signor Versace et Marc Negus. Et en dernière position, Rudy Rox.
Alors que les chevaux passent devant nous pour la première fois avec Woodsmoon qui ouvre toujours la voie. Abington bien placé en deuxième position, Intercontinental est troisième, Ice Axe quatrième, La Fauché est cinquième à l'extérieur. Ensuite il y a Royal Challenge, Il Sagateur attend son heure en huitième position. Senor Versace est tout juste derrière, on ferme le cortège avec Rudy Rocks. Toujours Caristitan et Juice Moon en tête, une longueur et demie d'avance devant Abington en deuxième position à son extérieur intercontinental, avec Johnny Gerudis en quatrième position à la corde. Nous avons Ice Axe à son extérieur, La Fauché, puis à deux longueurs nous avons Royal Challenge, suit ensuite Il Sagatore, alors que Rudy Rocks a commencé son effort en dernière position, se trouve actuellement le gris Signor Versace. Les choses sérieuses vont commencer à 600 mètres du poteau alors que Juice Moon a toujours deux longueurs d'avance. Regardez Intercontinental qui commence à bouger à l'extérieur de Abington. À l'arrière, Juice Moon, à l'arrière, Rudy Rocks du moins, a commencé son effort et rejoint également avec La Fauché, Ice Axe, elle est boitée. À l'arrière, Il Sagator et Svenor Versace se mettent en action alors qu'on aborde la cour pour entrer en ligne droite finale. Intercontinental va tout. On est en tête à l'extérieur, Ice Axe, Abington le long du rail avec Intercontinental qui a toujours l'avantage. Ice Axe termine de plus en plus fort. Ice Axe va aller s'imposer. Ice Axe s'impose devant Il Sagator. Ice Axe remporte le prélude du Médène. Et bien, il monte en toute confiance de Gaëtan Foucault. Part dans quelques instants. Et voilà, c'est parti pour la Phoenix Maiden Cup édition 2012 avec un bon départ de Ice Axe. Tout de suite, Solar Symbol sollicité pour le commandement et va creuser l'écart rapidement avec 2-3 longueurs sur Ice Axe en 3ème position. Superstorm à son extérieur, Senor Versace, Rudy Rocks tout juste derrière, ensuite Il Sagator et Intercontinental qui pour l'instant se partagent les deux dernières places. Bien en tête de la course, le 7, Solar Symbol qui a déjà gagné cette course avec Glenn Hattonsell. Aujourd'hui, il a Dinesh Sofoul. Il a 3 longueurs d'avance devant un Axe qui suit tranquillement, sagement dans son pas. Contrairement à Superstorm qui tient beaucoup et Cédric Séjon est obligé de le décaler. À son extérieur se trouve Signor Versace. À l'intérieur de Signor Versace, nous avons Rudy Rocks. Puis nous avons le grand favori Il Sagatore en dernière position intercontinentale et Johnny Gerudis. Alors que les chevaux vont tourner pour la première fois sous l'impulsion de Solar Symbol, toujours très ardent, Superstorm se retrouve en deuxième position. En troisième position, Ice Axe qui est rejoint maintenant par Senor Versace, Rudy Rocks tout juste derrière, Il Sagator et toujours Intercontinental alors que les chevaux sont en pleine montée. 1200 mètres environ à parcourir. Solar Symbol n'a plus qu'une longueur d'avance devant Superstorm qui s'est rabattu en deuxième position. Ice Axe toujours en troisième position. Signor Versace à son extérieur prenant ici Ice Axe dans un tiroir. Puis il y a les autres chevaux. Il y a, je vois, Il Sagatore, Rudy Rocks et en dernière position Intercontinental. On entame la descente avec et toujours Solar Symbol qui ouvre la voie. Superstorm bien mieux en deuxième position. En troisième position, il y a Ice Axe toujours accompagné par Senor Versace, Rudy Rocks. Il Sagator s'est rapproché à l'extérieur de Ice Axe et toujours en dernière position intercontinentale. On va accrocher la rue du gouvernement. Eh bien, les choses sérieuses commencent. Superstorm à l'extérieur de Solar Symbol. Senor Versace progresse à la corde. Ice Axe a eu un parcours de rêve. Il Sagatore juste à l'arrière de Ice Axe. Puis nous avons Rudy Rocks et Intercontinental. L'emballage final maintenant, mesdames et messieurs. Et oui, on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Solar Symbol qui tient bon maintenant avec les deux champions Ice Axe et Il Sagator qui vont tourner botte à botte. Mais Solar Symbol a toujours l'avantage avec Il Sagator qui a l'avantage. Ice Axe se défend bien. Il Sagator, Ice Axe, la lutte est serrée. Ice Axe a pris la mesure de Il Sagator. Ice Axe va remporter le Médène.
alors que Ice Axe va se montrer difficile dans les boîtes. Et c'est parti pour l'épreuve principale, la 1650 mètres à parcourir. Donc Lovestruck qui est bien parti et qui se retrouve en tête de cette course. Lovestruck avec Azapel, duel à 7, Ice Axe maintenant à l'extérieur s'amène sous la montre de Niven Mardé. Il va tenter sa chance devant Ice Axe. Ice Axe, Lovestruck, Azapel. Ensuite on retrouve duel à 7, Prince of Troy et Balls qui ferment le cortège. Les faux sont bientôt au tombeau à l'Arctique avec Ice Axe qui va diriger les opérations. Une longueur d'avance donc sur Azapel à l'extérieur de Lovestruck. Duel à 7, Prince of Troy avec la toque rouge de Dinesh Sofol et fermant le cortège toujours Balls. Les faux entament la descente. 900 mètres à parcourir pour Ice Axe qui n'est pas inquiété. Toujours une longueur d'avance environ sur Azapel. Lovestruck, le favori, très bien placé en troisième position. Prince of Troy s'amène à l'extérieur de duel à 7 en queue du peloton. Toujours le gris à Balls qui attend sans doute la ligne droite finale. Bientôt plus que 600 mètres à parcourir à la rue du gouvernement. Ice Axe qui tente le coup tactique cet après-midi devant Azapel, toujours à l'extérieur cependant de Lovestruck. Prince of Troy qui va s'amener en dehors de duel à 7 et Balls en queue du peloton. Les chevaux à bord de la courbe pour entrer dans la ligne droite finale avec Ice Axe qui va tourner en vainqueur. On va essayer de s'amener à l'extérieur notamment avec Azapel, mais Ice Axe a toujours le meilleur. Lovestruck sur les barres va faire l'effort. Ice Axe résiste bien jusqu'ici avec Lovestruck qui termine de plus en plus fort. Ice Axe avec Lovestruck, Lovestruck ou Ice Axe? Entre Lovestruck et Ice Axe, attendons voir ici dans l'épreuve principale.